Salut les Tokuvors! Aujourd'hui on continue l'arc final de Q-Ranger avec l'épisode 42. Alors quoi dire aussi, là encore c'est quasiment que du combat, donc il y a quasiment que de l'action, de la bonne action, surtout des robots au début. Et ça y va, là aussi on est dans l'arc final, donc c'est le combat, ça y va quasiment à fond. Alors combat robot au début avec la fusion des 3 vice-shoguns, dont je vous épargnerai le nom à la con. Et pendant ce combat, on a Madako qui dit à Tsurugi que Armage veut le voir. Ah bon? Le boss final de la série veut voir Tsurugi? Très bien, d'accord. Allez-y, va te faire tuer, d'accord. Amène-moi jusqu'à ton boss, je vais le tuer, pas de problème, on y va. Non, alors en fait, c'est pour lui révéler un grand secret et sa véritable identité. Bon, est-ce qu'on en parle maintenant? Que le boss final de ta série veuille parler à un personnage pour lui révéler sa véritable identité, vu le personnage, il n'y a pas 36 000 identités possibles. Donc, il y a des chances que ce soit Cuervo. Alors Cuervo, on en a parlé dans l'épisode 41, hein, à mon avis, s'il est revenu hanté Tsurugi comme ça, c'est pas pour rien. Ils ont ressorti le costume, à mon avis, c'est pas pour une scène à la con. Et vu que c'est Tsurugi, à mon avis, il y a des chances que ce soit Cuervo. Alors, ce sera pas le vrai Cuervo. Parce que si jamais c'est le vrai Cuervo, ça n'aurait absolument aucun sens. Ça n'aurait aucun sens scénaristiquement parlant que Cuervo veuille dominer l'univers. C'est pas possible. C'est ridicule. Donc moi je pense que c'est encore un coup de Armage qui possède le corps de Cuervo, hein, comme on l'a vu avec Aslan et Oshii Minato. On risque d'avoir encore être une histoire de possession et ça va s'arrêter là quoi. C'est pas le vrai Cuervo, c'est pas possible. Alors, une grosse partie de l'épisode aussi c'est Lucky qui doit prendre sa décision s'il doit vaincre son père, le tuer ou s'il peut le libérer. Et bon, au final la décision est toute simple, hein. Oui il accepte de l'affronter et il va le libérer, c'est obligé, voilà. Pendant ce temps, le plan de Don Armage, c'est de transformer la planète en bombe de planétium. Mais il y a Naga, qui a une très bonne idée, c'est d'utiliser sa Black Hole Kutama, la Kutama du trou noir, la balancer dans le cœur de la planète, dans le noyau de la planète, et comme ça, quand elle explosera, au lieu que ça bousille l'univers, le trou noir va absorber toute l'énergie de la planète, et voilà, c'est... Problème résolu. Donc, très bonne idée. Bon, ça va sacrifier la Kutama par la même occasion, mais voilà, au moins c'est bon. Donc voilà, malheureusement, j'ai pas grand chose de plus à dire sur cet épisode, puisque il y avait beaucoup d'action, il y a eu beaucoup de temps perdu à la réflexion de Lucky par rapport à son père. Donc voilà, à la fin de l'épisode, c'est ils arrivent sur la planète pour aller balancer la Black Hole, enfin, pas la balancer, mais activer la Black Hole Kutama. Pour sauver l'univers. Et le dernier plan, c'est Tsurugi qui arrive face à Don Armage, donc vas-y, paye ton cliffhanger, quoi. Vous auriez pu nous le faire là, quoi. Finir en cliffhanger sur la révélation de Don Armage. Mais non, ce sera pour le prochain épisode. Donc, wait and see. Voilà. Et on se retrouve bientôt pour l'épisode 43. À bientôt, ciao.